Bonjour, bon ça dépend là où vous êtes. Aujourd'hui je viens avec une vidéo, donc ça c'est comme je fais souvent les dimanches, mais la vidéo si je veux poster ça seulement mardi. Parce que j'ai déjà posté une vidéo aujourd'hui, donc ça je vais poster ça mardi. Donc c'est juste pour vous parler de la sorcellerie, parce que la sorcellerie c'est une science qui évolue. Donc si je vous parle de ça, ça a vraiment attiré mon attention en disant que mais tiens, il faut que je vous en parle de ça. Il y a un gars qui a posé la question de savoir au maître qu'il aimerait qu'on lui donne une feuille pour protéger sa maison, pour que les sorciers ne viennent pas chez lui. Ils ont dit que maintenant, la sorcellerie, ce n'est pas une maladie. Que la sorcellerie, c'est quelque chose qui évolue. C'est comme une science qui évolue, que même avec la feuille là, aujourd'hui, ils vont venir trouver la feuille là. Bon, ils vont partir, ils vont aller réfléchir comment contourner cette feuille. C'est comme la science exactement, parce que la science évolue tous les jours. Et c'est vrai, vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, quand vous dites que je bavarde beaucoup, c'est juste, c'est vrai. Mais j'ai dit qu'il faut que je vous en parle de ça, parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui faites mes astuces. Donc, il faut, si vous faites un truc aujourd'hui, demain faites autre chose. Bon. Je reviens d'abord avec mon poisson, comme je dis tout le temps, que je vais d'abord vous parler d'abord avant de vous donner l'astuce, mais je n'ai pas vraiment une astuce à vous donner quand même. Ça, c'est du poisson, que peut-être beaucoup ne savent pas qu'on met de la farine sur le poisson. Quand vous voulez frire le poisson, que ça soit dur comme ça, parce que j'avais déjà commencé, comme ça, là, regardez. Même si le poisson a déjà pourri, hein, vous voyez, le poisson là va durcir. Donc, moi, ici, j'ai mis du poivre, du sel avec du gingembre et j'ai ajouté la farine pour que ça soit vraiment dur comme vous voyez là. J'ai baissé vraiment le feu parce que après vous avez dit que vous ne comprenez pas ce que je veux. C'est juste vous montrer ce que je vais manger ce soir quoi. Ça c'est aussi une autre façon de faire des vidéos pour moi. Vous voyez que la façon dont moi je fais mes vidéos, ce n'est pas comme ça que les autres font leurs vidéos parce qu'il y a des filles qui viennent me dire que pourquoi je ne fais pas comme les autres, comme mes collègues. Pourquoi je dois faire les choses des autres? Chacun est unique à son genre. Je suis unique pièce, comme on dit. Unique pièce. Donc, je fais les vidéos à ma façon. S'il faut que je parle à vous de voir si vous voulez vous écouter. Si vous ne voulez pas, vous partez. Vous n'avez pas besoin. Si ça me gêne, comment je dis ça? Si ça commence à me gêner, je serai même obligé de bloquer des commentaires. Donc, il n'y aura plus de commentaires sur ma chaîne. Vous allez faire comment? Il y a des gens qui font ça, ils bloquent les commentaires. Mais de l'autre côté, ce n'est pas bien parce qu'il faut laisser les gens aussi s'exprimer. Mais moi, c'est ma façon d'être et c'est ma façon de faire les vidéos. De parler d'abord et bien donner les conseils parce que vous dites comment sont les choses. Même à la pharmacie, même si vous allez à l'hôpital, quoi que le médecin va seulement vous donner le truc comme ça, mais non, il ne va pas vous donner ça comme ça. Dites seulement que vous n'avez pas assez de crédit pour voir la vidéo jusqu'à la fin, c'est tout. Dites ça, mais arrêtez de dire qu'il faut aller au but. Parce que je suis obligé de vous dire ça. Je peux aussi venir parler et partir. Je sais ce que je fais. Quand je parle comme ça, ça veut dire que je ne veux vraiment pas donner le mot d'emploi. Je ne suis pas bête. Donc voilà un peu en disant que si vous faites vraiment, vous faites les astuces, les trucs que je vous montre, par exemple la purification, les encens à la maison, et changer vraiment, parce que même les sorciers là, ils changent, ils évoluent, ils changent leur mode d'opération. Par exemple, si vous avez par exemple fait la purification du sel aujourd'hui, après une semaine ou deux semaines, ça dépend de comment vous faites, changez, faites le citron. Faites, je ne sais pas quoi, le thym, faites, parce qu'on fait de tout, hein. Il y a la purification du thym, du citron, du sel, du sel germe, du basilic, il y a plusieurs, il y a même du sucre et du miel, il y a tout ça. Et vous avez déjà montré ma propre purification à moi. Donc changez. Si vous voulez purifier votre maison, changez aussi les encens. Faites les encens ici aujourd'hui et demain, faites aussi. C'était vraiment pour vous prévenir. Ça a vraiment tiré mon attention en disant que, mais tiens, il faut que je vous parle de ça. Que les gens évoluent. La sorcellerie évolue comme la science, comme une science qui évolue tous les jours. Grâce à la science, on peut voir maintenant qu'il n'y a pas que la Terre dans le cosmos, comme on dit. Parce que ça évolue.
Voilà un peu mon, ce que je voulais vraiment tirer votre attention en disant que changez les astuces, changez, ne faites pas ça aujourd'hui en disant que ça n'a pas donné. Et vous allez rester là. Non. Même les remèdes, si vous faites les remèdes, parce que surtout tout ce qui est naturel va doucement, ce qui va doucement va sûrement, comme on dit, c'est même mieux. Donc changer. Je pense même que mon titre sera la sorcellerie et la science. La sorcellerie est une science qui évolue. Voilà ma vidéo. Donc si vous avez autre chose à ajouter, maintenant je vais mettre mon feu pour que lui n'entre pas dedans. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez réagir. Et moi je vous dis à tantôt. Bye bye.